Waouh! Il pique ce soleil! Bah oui, on est en Bretagne! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des lunettes Vision One de chez Simalp. Donc, tout nouveau modèle, modèle tout récent et qui a la particularité de pouvoir être personnalisable. Donc, c'est un modèle qui est ultra léger. On est sur 26 grammes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bref, on les sent pas. Alors, ce qui est vachement bien avec ces lunettes aussi, c'est que vous avez la possibilité de les personnaliser. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait pour les personnaliser. C'est parti sur mon écran. À tout de suite. Voilà, et bien bienvenue, on est sur mon écran, donc sur le site de Simalp. Je vous mettrai le lien dans la description et je vais vous montrer comment ça se passe pour personnaliser donc vos lunettes. Alors en ce moment, 79,90 au lieu de 89,90, vous retrouverez encore une fois le lien dans la description. C'est pas un lien affilié, donc moi j'ai reçu le produit gratuitement, mais c'est pas un lien affilié, donc je ne touche rien du tout sur le fait de que vous cliquiez par le mon lien ou pas. Alors comment on fait? Eh ben il y a qu'à cliquer, donc vous pouvez choisir le coloris de la monture, le coloris de l'écran et le coloris de pondonné. Donc vous pouvez vous amuser à faire des compositions toutes plus originales les unes que les autres et voir ce que ça donne. Vous pouvez changer les couleurs des verres, le bout du nez, tac, on peut changer un peu tout en fait sur la lunette et pour se faire un modèle qui vraiment correspond à nos goûts. On peut aussi insérer, donc c'est un insert optique. Après, il faut aller chez son opticien et puis se faire des verres à sa vue qui vont s'insérer dans les carreaux là. Et comme ça, si vous portez des lunettes, et ben au moins vous pourrez toujours les mettre avec ces lunettes là. Donc par contre, vous avez aussi la possibilité de choisir des configurations qui sont déjà faites. Voilà, c'est une bonne idée d'avoir mis ça, parce que moi voilà, je trouvais que celle-là était sympa et puis du coup j'ai pris celle-ci. Voilà, donc vous pouvez choisir aussi parmi ces modèles-là. Et voyez comme les champions sont stylés avec leurs lunettes Simalp Vision One. Voilà, et ben écoutez, maintenant que vous savez comment on fait pour configurer sa lunette à son goût, je vais vous donner maintenant mon impression et retourne dans la pelouse. À tout de suite. Voilà, donc maintenant que vous savez personnaliser donc vos lunettes pour pouvoir choisir le modèle qui vous convient en fonction de vos couleurs et goûts préférés, et ben je vais vous présenter un peu de plus près la lunette. Alors, ici vous avez un dispositif d'aération comme de l'autre côté, donc ça c'est pour bien ventiler la lunette, et ici aussi il y en a un petit système de ventilation. Les branches ici sont en carbone et la partie qui est ici est plutôt plutôt molle, c'est du caoutchouc, et ça rend la lunette vraiment très agréable. Et ça c'est vraiment un des points que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est le fait qu'on ne les sente pas. Et ça, c'est un peu gênant, je trouve, souvent sur les lunettes. Parce qu'au bout d'un moment, avec la transpiration, moi, j'ai des douleurs ici et ici. Alors, il faut savoir que les lunettes, j'en porte très, très souvent parce que j'ai les yeux clairs et le soleil me fait très, très vite mal aux yeux. Donc ça, c'est le point que j'ai vraiment le plus apprécié. Et ça vaut aussi quand on est en vélo, parce que je les ai utilisés aussi en vélo et ça tient bien, ça bouge bien l'air qui vient pas dans les yeux. C'est vraiment, enfin de ce point de vue là, je les trouve vraiment super. Alors par contre, ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est que moi j'aime bien aussi mettre mes lunettes sur la tête, et là du coup en fait, comme les branches sont faites de façon à bien serrer quand elles sont sur le nez, bah, quand on met les lunettes sur la tête, ça tient un petit peu moins bien. Donc ça, c'est un petit peu un point négatif. Et l'autre point négatif aussi que je lui trouve, c'est l'avantage et l'inconvénient du look. Le look fait vraiment très très sportif. C'est un look voilà qui ne plaira pas, peut-être pas à tout le monde, c'est parce que c'est des lunettes qui sont vraiment faites pour faire du sport et du vélo. Et bah du coup, au prix de 60 € en ce moment, et ben les mettre comme ça pour aller dans la rue en tenue civile, ça fait peut-être un petit peu trop, un petit peu too much. Donc moi, c'est un petit peu le point, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est le look vraiment très 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 hard sport. Voilà, j'aime bien un peu plus de mixte. Mais sinon, le côté personnalisable des couleurs et de la branche et le devant là qu'on sent pas, et le poids très très léger, voilà, c'est quelque chose qui en fait quand même un bon produit. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et aussi, donc vous avez eu la possibilité de gagner ce modèle via un jeu concours sur Facebook. Donc le jeu est maintenant terminé. Et donc c'est Mélanie Huon qui a gagné le jeu, donc sa paire de lunettes qui va être personnalisable. Donc Mélanie, je t'invite à me contacter en message privé pour que tu puisses recevoir ta paire de lunettes et que je te donne toutes les modalités pour pouvoir le recevoir. Voilà, bah écoutez, si vous voulez pas rater des futurs jeux concours comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la page Instagram aussi, parce que maintenant je suis actif sur Instagram.
Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.